Pour préparer un bouillon de nouilles fraîches au millet pour 4 personnes, commencez par laver deux fois votre millet à l'eau froide. Versez-le dans un litre d'eau chaude pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, procédez au taillage de vos garnitures. Tranchez 3 lamelles de gingembre, émincez, puis hachez-le. Suivez le même procédé pour vos 2 pousses d'oignons nouveaux, votre ciboule, le filet de porc et la carotte. Hachez aussi un bouquet de coriandre. Versez une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans un wok. Plongez-y d'abord votre porc, puis le reste des garnitures. Gardez la coriandre pour plus tard. Ajoutez-y une pincée de sel et un peu de sauce soja. Faites revenir le tout quelques minutes, sortez du feu et réservez. Lorsque les 20 minutes se sont écoulées, coupez légèrement vos nouilles fraîches et ajoutez-les au bouillon de millet. Faites-les cuire selon le temps indiqué sur l'emballage. Il est important de les mélanger de temps en temps afin qu'elles n'adhèrent pas à la casserole et de tempérer le bouillon en y ajoutant un peu d'eau froide pour garder une bonne texture. Couvrez. Lorsque vos pâtes sont cuites, réintégrez vos condiments mis de côté et ajoutez 2 cuillères à café de mélange 5 épices et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Laissez cuire encore quelques minutes et intégrez au dernier moment la coriandre. C'est prêt !